Bonjour. Hop, je vous mets la petite question et le Discord est disparu. Voilà, il est là. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours de l'application des mathématiques. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de terminer le TD5. Donc on va passer beaucoup de temps sur l'exercice de la chaînette. Et ensuite, enfin surtout avant, je vais vous parler de aussi de l'exercice, je ne sais plus quel numéro, mais sur la différence entre une fonction puissance, comme bonjour Tom Fer, que vous venez de dériver à l'instant, et cette fonction qui est une fonction exponentielle à base alpha, en fait, on dit. Donc voilà. Donc déjà, je voulais vous féliciter pour l'examen de vendredi. Donc, je l'ai corrigé hier soir. Hein, pour ce bonjour Fumbi. C'était vraiment bien quoi. Quand je regarde les notes du premier CC, on était à 8,2 de moyenne sur 20. Là, on passe à 12. 12 sur 20, donc c'est énorme, quoi. C'est un gain de 4 points sur 20. C'est ouais, 50% en plus. Donc voilà. Donc je suis content. Je suis content pour vous, quoi. Je suis content que vous ayez réussi. Hein. Donc je vais vous donner vos notes. Alors, je sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Hein. Soit je vous mets le fichier de notes sur le Discord. Soit je vous les donne. Comme ça, à l'oral, je sais pas ce que vous préférez. En même temps, dans une classe, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Non, j'aurais peut-être pas donné à l'oral. Je sais pas. Je sais pas. Comment vous préférez faire les choses? Ouais. Bravo. D'ailleurs, quand je vous ai vu, ça m'a fait plaisir de vous voir vendredi. Hein. Quand je vous ai vu que si je voyais quelqu'un se barrer avant la fin de l'examen, ça allait mal finir. C'était une blague, hein, bien évidemment. J'étais étonné de vous voir vraiment bosser, quoi. Enfin, j'ai même un collègue qui est venu me voir en disant, mais attends, parce en général, le groupe 4, c'est un groupe qui c'est le parcours défi. Donc, ce sont des gens qui font le parcours normal plus d'autres cours. Et donc en général c'est ils cartonnent pas mal quoi, ils grattent les points, ils veulent avoir des super bonnes notes, enfin, comme tout le monde hein, d'ailleurs, et là donc j'ai un collègue qui fait le groupe 4, hein, il dit mais ton groupe là, personne se lève, ils sont tous en train de bosser, qu'est-ce qui se passe? Donc je leur ai dit que ça allait mal finir si vous partiez avant. Donc je pensais que j'avais fait une blague. En fait, non, vous avez vraiment bien bossé. Et à la fin, ça se voit, quoi. Vous avez essayé de gratter au maximum, aller le plus loin possible. Donc voilà, quoi. Bon, bah, ok, on va faire ça à l'oral. Ouais. Bonjour à tout le monde. Hein, bonjour Manon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je vais vous donner vos notes. Voilà. Si jamais vous avez un problème, si vous pensez que voilà, vous aimeriez bien avoir votre copie, alors j'ai pas envie de scanner toutes les copies, ça va me prendre un temps fou. Par contre, je veux bien répondre individuellement aux gens. Donc si quelqu'un veut absolument avoir sa copie, je peux prendre une photo et vous l'envoyer sur Discord étant le plus rapide à faire. Mais je peux aussi répondre par mail, sans souci. Alors, où est mon fichier de notes? Donc je vais commencer enfin dans l'ordre alphabétique. Donc pour la plupart des gens, je dirais 90% des gens, vous avez augmenté votre note. Il y a très peu de personnes qui ont baissé leur note. Voilà. Alors donc je commence à Ben. Non, Adenbi, Massinissa, 8,5 sur 20. Ahmed Mounaïa, 6,5. Averti Anaïs, 14.
Avril, Pierre, 8. Barbier, Aline, 18. Bart, Cheryl, 20. Bats, Manon, 7. Constant, Baptiste, 7,5. Dogan, Laura, 16,5. Douillac, Wishdan, 10. Ferdoual, Thomas, 12. Genipa, Lucas, 6. Arnois, Chloé, 10,5. Héron, Étienne, 8. Jeannot, Mathis, 20. Joannick, Baptiste, 13. Journe, Marius, 18,5. Kersuzan, Julia, 14. Lagarde, Manon, 11. Lefranc, Anaïs, 16,5. Maillard, Florian, 12,5. Désolé, 9, c'était pour le premier. Manac, Glenn, 15. Meston, Sean, 4. Nicole, Clément, 12,5. Paul, Jude, 11,5. Porcher, Alexandre, 14. Rouault, Alexis, 18. Rouge, Rosen, 20. Rousseau, Justine, 10,5. Sestier, Paul, 7. Et Thiécoura, Yves Emmanuel, 4,5. Voilà pour vos notes. Donc, voilà. Si jamais vous n'avez pas entendu votre note, vous pouvez le mettre soit sur le Discord, soit sur... voilà, et je peux vous le répéter sans problème. Donc, comme je disais, il y a la plupart des gens ont augmenté leurs notes. Je vois Cheryl, Bart, vous avez plus de doublé votre note, quoi. C'est assez incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est la géométrie que vous aimiez pas ou comme je disais sur le Discord, si le confinement, finalement, c'est un moyen aussi de se poser pour travailler plus tranquillement, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ça vous a réussi, quoi. Et donc, ouais, je suis fier de vous, je suis content de vous, quoi. Donc, pour certains où on regarde les premières notes, on peut se dire, c'est déjà cuit pour avoir l'UE. Bah, en fait, vous avez tellement bien remonté qu'il suffit d'accrocher une note correcte au CC3 pour avoir cette UE. Donc, voilà, faut pas relâcher, quoi. Clairement pas. Et voilà. J'ai quelques remarques sur la tenue de votre copie. Donc, pour certains, les copies étaient bien écrites, mais pour d'autres, vous avez pris votre copie pour un brouillon. Ça, c'est faut pas faire, quoi. Pour deux raisons. La première, c'est que le but d'un examen, c'est ce que j'expliquais à la sortie vendredi, c'est d'avoir des points. C'est ça votre but à vous. Quand vous avez quand vous filez un examen, votre seul but que vous devez avoir en tête, c'est récolter le maximum de points. Afin de récolter le maximum de points, il faut essayer de se mettre le correcteur dans la poche. Et comment on met le correcteur dans la poche? En rendant un travail soigné. Parce que si y a un endroit sur votre copie qui est litigieux, alors en fait, quand c'est bon, c'est bon. Donc si vous êtes vraiment excellent, vous aurez tous les points, même si votre copie est dégueulasse. Après, ça va énerver quand même le correcteur, mais a priori, on enlève rarement des points quand c'est mal... C'est mal écrit. Par contre, on peut, quand c'est litigieux, inconsciemment, mettre des points à un endroit litigieux, à des personnes, et ne pas mettre ces points à d'autres personnes, alors qu'ils ont écrit exactement la même chose, mais de deux manières différentes. La raison, c'est que si c'est bien écrit, et que c'est litigieux, on peut, comme c'est bien écrit et bien présenté, on peut se mettre dans votre place et essayer de comprendre ce que vous avez voulu dire et exprimer dans ce que vous avez écrit. Ce qui veut dire que on peut se dire, ah oui, alors effectivement, il y a une erreur, mais en même temps, cette personne-là a voulu faire ça, ce qui est faux, mais pas très loin d'être correct non plus. Donc, on peut lui donner quelques points au moins pour le raisonnement. Si c'est mal écrit, on comprend rien. Bah, de toute manière, on comprend rien. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que même vous,
quand vous écrivez mal et que vous avez plus de place, vous vous plantez. Alors j'ai un exemple, je ne vais pas le dire le nom, mais j'ai un exemple de personne, c'était sur le calcul de la dérivée seconde, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais était assez compliqué dans le premier exercice, hein, avec une grosse dérivée à calculer, dérivée de sinus sur cosinus carré, si je me rappelle bien. Donc on avait un gros truc à calculer. Et cette personne-là fait bien la dérivée au début. Et elle a tellement plus de place, parce qu'en fait, elle oublie de le faire sur son brouillon et elle le fait sur sa feuille directement. Elle a tellement plus de place que l'étape suivante, elle oublie que y a un numérateur, mais il y a aussi un dénominateur. Donc l'étape d'avant, il y a le numérateur, le dénominateur, le calcul est correct. L'étape suivante, il n'y a plus que le numérateur, le dénominateur a disparu. La raison, c'est parce qu'en fait, il ne la voit pas, parce qu'il a écrit tout petit. Et parce qu'il avait plus, il avait plus de place. Bah ça, c'est dommage, il a perdu un point pour. Cette personne a perdu un point pour ça. C'est vraiment, vraiment dommage, quoi, parce qu'un point, c'est quand même un vingtième de votre note. C'est énorme comme erreur. Et comment elle brille, ma tasse, c'est magnifique. Si je la mets là. Allez, et donc ça c'est con. Donc prenez vraiment l'habitude quand vous avez un contrôle continu, que ce soit pour l'application des maths, que ce soit pour la mécanique, que ce soit pour n'importe quelle matière, prenez l'habitude de travailler sur votre brouillon et prendre les 5 dernières minutes pour recopier. Moi c'est ce que je faisais quand j'étais étudiant. J'écrivais jamais sur ma copie. J'écrivais sur mon brouillon. Et je passais les 10 dernières minutes de mon examen en me disant, voilà, mon examen, il se termine à 14h, je termine à 13h50, je termine et je recopie. Je recopiais les trucs. Et puis, s'il me restait encore 1 ou 2 minutes, après avoir revérifié mes réponses, j'essayais de gratter encore un demi-point quelque part si j'arrivais à voir les choses. Mais je vous assure que. Sur un examen, peut-être que c'est un demi-point de gagné, juste parce que le. Mais sur tous vos examens, sur toute votre vie d'étudiant, si vous prenez cette bonne habitude, vous allez augmenter votre note. Sûr. Et vous parlez à n'importe quel correcteur, il va vous dire exactement la même chose. Donc écoutez vos profs. Si vos profs vous disent écrivez bien sur votre copie et un brouillon est un brouillon, une copie n'est pas un brouillon, c'est pour une bonne raison. Vraiment. Et c'est dommage de perdre des points à cause de ça, alors qu'en fait, vous savez les choses, quoi. Vous savez calculer. Donc voilà pour mon petit conseil de la journée. Très bien. Ok, donc il n'y a pas de questions. Donc on va regarder la réponse à cette dérivée. Voilà. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, hein, la dérivée de alpha à la puissance x, ma variable c'est x, hein, c'est le logarithme de alpha exponentielle de x ln de alpha, et pas x alpha puissance x moins 1. Alors cette formule qu'on vient juste d'utiliser pour la fonction puissance, à savoir que la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1, elle n'est valable, pardon, que quand c'est x à la puissance d'un nombre. Et pas l'inverse. Ici, on a un nombre à la puissance de x. Et un nombre à la puissance de x, c'est une fonction de type exponentielle, mais avec une base différente. Donc on va l'étudier aujourd'hui. Ça nous permettra aussi de voir comment on redérive les exponentielles. Et voilà, donc je coupe ça, on passe à l'exercice. Alors j'ai oublié son nom, mais je crois que ça doit être l'exercice numéro 5 du TD5. Donc les deux fonctions suivantes. Alors je vais peut-être vous montrer ça, je pose mon café. Oups. Donc on passe à ça. Voilà. Voilà, donc on va faire l'exercice 5. Donc à ne pas confondre ce que vous venez de faire d'ailleurs pour la grande majorité d'entre vous. Vous avez confondu deux fonctions qui sont la fonction
À votre gauche, une fonction qui est exponentielle. Et on va le voir pourquoi tout à l'heure, même si je l'ai expliqué la dernière fois. Mais là, on va vraiment l'étudier du début jusqu'à la fin. Et à droite, la fonction puissance, à savoir j'ai ma variable à la puissance de alpha. Alors, je vais commencer peut-être par celle de droite, parce que c'est la plus simple à étudier. Donc, c'est la fonction f de x qui est égale à x puissance alpha. Donc ça, c'est une fonction qu'on appelle fonction puissance, dont on peut calculer la dérivée. Donc c'est ce que vous avez fait juste avant. Donc on rappelle que la dérivée de x puissance alpha, c'est alpha x puissance alpha moins 1. Puis je peux même calculer la dérivée seconde, hein, avant même de commencer l'exercice, on dérive. Ce qui nous donne alpha moins 1, x puissance alpha moins 2. Hop, je vais changer l'exposition. Donc à partir de l'étude de la dérivée première et de la dérivée seconde, on va calculer pas beaucoup de lumière. C'est pas grave. On va calculer ces variations en étudiant la dérivée première. Et c'est sa courbure. Alors, je l'ai dessiné. Voilà. Donc là, je vous ai tracé x puissance. Comme ça. Voilà. Je vous ai tracé x au carré, et puis je peux changer les valeurs de alpha. Alors, pour l'instant, je vais juste les garder entières. On peut faire la même chose en considérant elles sont. Que cette alpha n'est pas entier, mais bon, voilà, on va pas compliquer l'affaire pour l'instant. On va garder alpha entier. Donc, si alpha égale à 1, on a la fonction f de x qui vaut x, donc c'est ma fonction qui est ma fonction classique linéaire. J'aime pas trop comment elle est. Bon, ok. Voilà, donc si j'augmente à x au carré, c'est cette fonction-là, qui est décroissante puis croissante. X au cube, c'est une fonction qui est toujours croissante avec un point d'inflexion ici. X4, c'est comme ça. X5, c'est comme ça. Donc on a des fonctions qu'on dit impaires, comme x1, x3, ou x5, c'est-à-dire qu'elles sont symétriques par rapport à l'origine. Donc si le point ici à l'origine est une symétrie de ma fonction, savoir que ce point-là, c'est le même que celui-là. Donc si je trace un trait entre là, il passe par l'origine. Et c'est vrai, quelles que soient les valeurs de alpha impair. Donc on dit que ma fonction, elle est impaire. Si maintenant, si alpha est pair, donc par exemple x au carré ou x puissance 4, ce qu'on remarque, c'est que ma fonction, elle est paire, à savoir qu'elle est symétrique par rapport à cet axe ici. Donc la parité d'une fonction, elle est assez importante, assez pratique en particulier quand on étudie des fonctions ou dans le calcul de l'intégrale. Trouver qu'une fonction est paire ou impaire, c'est assez pratique à faire. Je ne vais pas trop développer ce truc-là. Alors, alpha, il peut être aussi négatif. Donc, si alpha est égal à moins 1, en fait, c'est la fonction qui vaut 1 sur x. La fonction 1 sur x au carré, qui est toujours impaire, hein, ici. La fonction 1 sur x au carré qui est paire. La fonction 1 sur x au cube qui est impaire. La fonction 1 sur x puissance 4 qui est pair, etc. Et donc l'idée, hein, c'est dans un premier temps d'étudier cette fonction pour différentes valeurs de alpha.
Donc, quelle est sa croissance? Est-ce que c'est pair? Est-ce que c'est impair? Alors, comment on fait ça? Voilà. Ce qu'on a besoin, c'est de calculer le signe de f' de x. Donc, on prend le f' de x. Donc, le signe de f' de x est le suivant. Alors, c'est comme une multiplication, hein. Donc, le signe de f' de x, il va dépendre du signe de alpha et du signe de x, de x puissance alpha moins 1. Donc, c'est une fonction qui est définie de moins alpha à, de moins l'infini à plus l'infini, sauf si alpha, quand alpha est positif. Je vais faire deux cas. Parce que. Oui, on va faire comme ça, sinon ça va être trop compliqué. Donc si alpha est positif, donc quel que soit alpha est positif, si x est plus grand que 0, alors puis x puissance alpha moins 1 est positif. Négatif ici. Alors là, il faut que alpha soit supérieur à 1 aussi. Alpha supérieur à 1. Quand alpha égale à 1, c'est un petit peu différent. Donc ça, c'est... Voilà. Donc ces variations, ça va être négatif. Puis... Attendez. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Ah oui, mais non. Oui, ça c'est pas vrai. Je recommence. Je recommence. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Il faut prendre de plusieurs cas. Alors, on va commencer par alpha. Positif. Et alpha positif et alpha pair. Alors si alpha est positif et alpha pair, donc ici alpha positif, donc ma fonction s'annule. Donc x puissance alpha moins 1. Alors si alpha est positif et alpha est pair, ce truc-là, il est impair. Puisque un nombre pair, si j'enlève moins 1, ce terme-là, il est impair. Donc si je prends un nombre négatif et que je le multiplie par... je le mets à une puissance qui est impair, ce nombre positif... Donc ce nombre négatif va rester négatif. Et ce nombre positif, il va rester positif. Si maintenant alpha est impair, alpha toujours positif, et x puissance alpha moins 1, cette fois-ci, ça s'annule ici, ça s'annule ici. Si alpha est impair, alpha moins 1 est pair. Et si je prends un nombre négatif à la puissance paire, c'est positif. Et si ce nombre négatif est, ce nombre est positif, si je le mets à la puissance paire, c'est aussi positif. Donc on a deux cas. On a les cas où alpha est pair, et à ce moment-là, j'ai une fonction qui est décroissante, puis croissante. Et où les cas où alpha est impair, et à ce moment-là, j'ai une fonction qui est toujours croissante. Et ça, en fait, c'est vrai, quel que soit alpha, même si alpha. Non, si alpha est négatif, ça va être, ça, ce sera différent. Donc maintenant, si alpha est négatif, j'ai encore deux cas. Alpha négatif et alpha pair.
Donc si alpha est négatif, alpha est négatif. Si alpha est négatif, le x puissance alpha, c'est comme alpha est négatif, il n'est pas défini en 0. Donc par exemple, si alpha égale moins 1, exemple si alpha égale moins 1, x puissance alpha, c'est 1 sur x. Et 1 sur x, il n'est pas défini en 0. Donc là, ma fonction en 0, si alpha est négatif, elle n'est pas définie. Donc là, j'ai un endroit où cette fonction n'est pas définie. Donc là, c'est pareil. Là, ça va être pour alpha impair. Je vais avoir la même chose. Moins l'infini, 0, plus l'infini. Et ici, ce ne sera pas défini. Donc, le signe de alpha, on a dit qu'il était négatif. Donc là, il est toujours négatif. Là, il est toujours négatif. Ici, x puissance alpha moins 1, bah pour la même raison que tout à l'heure, il vaut, si alpha est pair, bah ce terme-là devient alpha, cette puissance devient impair, et donc un nombre négatif à une puissance impair reste négatif, et un nombre positif à la puissance impair reste positif. Inversement, si alpha est impair, ce terme-là est un nombre impair moins 1, ça devient un nombre pair. Et donc ce terme, si x est positif, à la puissance, si x est négatif, pardon, à la puissance pair, impair, pardon, à la puissance pair, ça devient positif. Et donc ça, c'est positif aussi. Donc cette fonction, elle est décroissante, puis croissante, et celle-ci, elle est toujours croissante. Voilà pour les variations de cette fonction puissance. Donc finalement, on a quatre cas. On a les cas, on a deux cas où alpha est pair et à ce moment-là, elle est alpha est positif et pair. Donc elle est décroissante puis croissante. Si alpha est positif et impair, elle est toujours croissante. Si alpha est négatif mais pair, elle est décroissante puis croissante. Et si... C'est l'inverse. Moins par moins, j'ai oublié de multiplier les signes. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça, c'est le signe de la dérivée. Ça fait plus. Et moins par plus, ça fait moins. Donc ça, cette fonction, elle est pair. Enfin, elle est croissante puis décroissante. Voilà. Et le signe, c'est moins par plus, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins. Elle est toujours décroissante. Pardon. Il va falloir que je me réenregistre pour cette partie-là. Voilà. Si vous avez des questions, c'est parce que je pense que ce n'est pas très clair. On va regarder ce que ça donne pour différentes valeurs par rapport à ce qu'on a vu. Alors, on a dit, si alpha est positif et pair, ma fonction, comme alpha égale à 2 ou alpha égale à 4, elle est décroissante puis croissante. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, alpha positif, alpha pair, elle est décroissante, puis croissante. Elle a un minimum ici, hein, puisqu'elle s'annule. La dérivée s'annule en ce point. Donc ici, j'ai un minimum. Ici, si alpha est impair, mais alpha positif, elle doit être toujours croissante. Donc ça, c'est, par exemple, x au cube. Donc x au cube, elle est toujours croissante. La dérivée s'annule, mais ce qu'on peut calculer aussi, c'est que la dérivée seconde s'annule en ce point, donc c'est un point d'inflexion, et pas un minimum, ici. Hein. Et quand je prends x est égal à 1, alpha est égal à 1, hop, j'ai aussi une fonction qui est toujours croissante. Donc par rapport aux variations, c'est bon. Maintenant, si on prend le cas négatif, alpha négatif,
si alpha est négatif et que alpha est pair, la fonction elle est croissante puis décroissante. Donc on va regarder ça. Donc si alpha est négatif et pair, elle est croissante puis décroissante. Donc ça c'est alpha égale à moins 2. Pour moins 4 ce sera pareil. Elle est croissante puis décroissante. Et pour les valeurs impaires, ce qu'on voit, c'est que cette fonction, donc la dérivée est toujours négative, hein, c'est alpha est négatif et je multiplie par x puissance alpha moins 1 qui est toujours positif, cette fonction, elle est toujours décroissante. Donc si je regarde quand alpha est égal à moins 1, par exemple, alpha est égal à moins 1, cette fonction, elle est décroissante ici et encore décroissante ici. Et elle n'est pas définie en 0. Si je regarde moins 3, elle est décroissante et toujours décroissante. Moins 5, décroissante, décroissante. Donc voilà pour la fonction puissance. Donc l'étude, elle est compliquée dans le sens où c'est une étude de cette fonction pour, di pour différentes valeurs de alpha. Donc si je vous demandais de faire l'étude de cette fonction, je vous demanderai de faire, par exemple, étudier la fonction x puissance 5 ou x puissance moins 4. Et ça, c'est quelque chose que vous devriez savoir faire. Je dirais que ça, faut déjà avoir un petit peu de bouteille pour le faire, quelles que soient les valeurs de alpha. Donc regardez quand est-ce que c'est pair, quand est-ce que c'est impair, quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Voilà, je dirais que si vous n'arrivez pas trop à comprendre ça, c'est pas très grave. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est étudier des fonctions du type x puissance 3 ou x puissance moins 4, ce genre de choses. Donc, pour vous entraîner, vous pouvez étudier ces deux fonctions et vérifier par rapport au tableau de variation si vous êtes bien, vous retrouvez bien dans un de ces quatre cas. Donc voilà pour l'étude de la fonction puissance. Alors maintenant, je passe à l'étude de la fonction exponentielle à base à base alpha. Donc on nous dit d'étudier la fonction f de x est égale à alpha puissance x. Alors, c'est surtout pas ça. En se disant, bah cool, je fais comme j'ai appris, le u puissance u puissance n, la dérivée, c'est n u prime u puissance n moins 1, par exemple. Donc je pourrais me dire, ou même plus simple, x puissance n, la dérivée, c'est n puissance x n moins 1. Cette fonction, c'est la fonction puissance. Ça, c'est pas du tout pareil. C'est un nombre à la puissance de x. Par exemple, et là, ça va être beaucoup plus, ça devrait vous sauter aux yeux. Alpha, c'est n'importe quel nombre. Alpha, je peux dire qu'il vaut par exemple 2,71 et quelques et des brouettes. Et ça, ce nombre, 2,71 et des brouettes, c'est ce que j'appelle le nombre E. Donc, ma fonction f de x, quand je prends alpha, est égale à 2,71 et quelques là, c'est la fonction qui vaut, bah, je remplace alpha par E, exponentielle de x. Donc, cette fonction là, c'est bien une fonction de type exponentielle. Parce que si je mets alpha égale ça, ben, j'obtiens bien ma fonction exponentielle. Donc, il est clair que cette fonction-là et cette fonction-là n'ont pas du tout les mêmes variations, puisque ici, on a une fonction puissance qui varie comme elle varie, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a une fonction du type exponentielle, et donc avec la variation qu'on a étudiée déjà la semaine dernière, ou même la semaine d'avant. Alors, comment faire apparaître cette exponentielle? Alors, on prend la fonction f de x, alpha puissance x, et on calcule le logarithme
de l'exponentielle de f de x. Alors pourquoi on fait ça? Ou l'exponentielle du logarithme de x, c'est plus simple peut-être. Exponentielle du logarithme de f de x. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, l'exponentielle du logarithme de a, c'est a. Et le logarithme de l'exponentielle de a, c'est a. Donc j'ai le droit de, si j'ai un nombre, j'ai le droit de faire ça ou de faire ça. Alors, si je fais ça ici, voilà ce que j'obtiens. Exponentielle de logarithme de alpha puissance x. Et ce que je sais aussi, c'est que le logarithme de a puissance b, c'est b fois le logarithme de a. Donc ça, c'est exponentielle de x ln de alpha. Donc voilà comment... et ça, c'est toujours f de x. Donc f de x qui vaut à la base alpha puissance x, c'est en fait, quand on l'a réécrit sous forme exponentielle, exponentielle de x logarithme de alpha. Donc maintenant, je repose ma question. Je reviens en arrière. Hop. Hop. Voilà. Maintenant que vous savez ça, calculez-moi la dérivée de f de x. Donc f de x, il vaut exponentielle de x ln de alpha. Donc, normalement, vous devriez changer vos réponses, puisque 6 dans la grande majorité d'entre vous, vous avez mal répondu. Donc, vous pouvez changer votre réponse. Vous avez le droit, je vous autorise maintenant. Donc c'est une fonction composée, hein, c'est une fonction exponentielle d'un nombre fois x. Ce nombre, c'est ce nombre vaut logarithme de alpha. Donc vous devriez pour normalement savoir calculer la dérivée de cette exponentielle. Donc on va le. Je vous rappelle hein, que si j'ai une fonction du type exponentielle de u de x, je peux la décomposer en forme f de x est égal à exponentielle de x, g de x qui est égal à u de x, et cette fonction là, c'est bien f de g de x, c'est bien exponentielle de u de x. Donc ma fonction composée, c'est si je dérive f', c'est exponentielle de x. Si je dérive g' de x, c'est ce que je vais appeler u' de x. Et je peux utiliser ma formule des fonctions composées qui est g' de x, u' de x, f' de g de x, exponentielle de u de x. Et donc ça, c'est la dérivée de exponentielle de u de x. Formule que vous peut-être que vous avez appris au lycée, hein, qui est la dérivée d'exponentielle d'une fonction, c'est la dérivée de cette fonction fois exponentielle de cette fonction, qui est donc une simple application de la formule des fonctions composées, enfin de dérivée des fonctions composées. Très bien, donc on va regarder vos réponses. Là, je pense qu'il n'y a plus de problème. Donc c'est ln de alpha, x ln de alpha. Très bien, pas de souci. Donc f' de x... c'est égal à ln de alpha exponentielle de
x ln de alpha. Donc u', c'est la dérivée de ça, c'est ln de alpha que je mets là, exponentielle de x ln de alpha. Je dirais que la fonction exponentielle de u de x étant une fonction tellement, tellement utilisée en science, on peut toujours poser ce genre de choses, hein, il n'y a pas de souci. Se rappeler cette formule-là, c'est pas inutile dans le sens. Je pense même que à force de le faire, vous avez commencé à vous rappeler cette formule. Donc, je pense que c'est assez important à se rappeler, quoi. Ok. Donc, tableau de signes de la dérivée. On peut dériver une deuxième fois, je vais le faire tout de suite. Donc la dérivée, c'est ln de alpha au carré, exponentielle de x, ln de alpha. Donc ça, c'est la dérivée sous. Alors, c'est une fonction qui, a priori, n'a pas de... qui est définie partout. Hein. Qui est définie partout. Ouais, puisque c'est une fonction exponentielle. Hein. Elle est là, exponentielle de x puissance ln de alpha. Par contre, toutes les valeurs de alpha sont pas possibles, dans le sens où ln de alpha est défini pour des alpha positifs. Donc alpha est forcément plus grand que, strictement plus grand que 0. Donc vous ne pouvez pas avoir la chose suivante, par exemple, moins 0,1 puissance x. Ça n'existe pas comme fonction. Alpha doit être forcément plus grand que 0. Alors, donc, elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Ln de alpha, ben je vais avoir 2k. Exponentielle de x ln de alpha. Donc là, c'est pour le signe. Hein, et je vais définir le signe de f' de x. Donc j'ai deux cas. J'ai un cas où je vais prendre deux couleurs. J'ai un cas où alpha est plus grand que 1. Strictement plus grand que 1. Si alpha est plus grand que 1, ln de alpha est positif. Donc mettre comme ça. Et exponentielle de x ln de alpha, c'est toujours positif puisque la fonction exponentielle est toujours positive. Donc le signe de f' de x, c'est positif. Positif que multiplie positif, ça me donne positif. Le deuxième cas, c'est quand alpha est inférieur à 1, strictement. Dans ces cas-là, ln de alpha est négatif. Donc ln de alpha, hein, si je le trace, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et cette valeur-là, c'est 1. Ça, c'est x. Ça, c'est ln de x. Quand x est inférieur à... Donc, x est forcément plus grand que 0. Voilà. Si x est inférieur à 1, ln de x est négatif. Si x est supérieur à 1, ln de x est positif. Et si x est égal à e, ln de e vaut 1. Donc ça, c'est les choses que vous devez savoir. Je l'ai mis dans le Discord, ça fait partie des fonctions dont vous devez savoir les tracer et connaître des points particuliers de ces fonctions. Exponentielle de x, ln de x, x au carré, cosinus x, sinus x. Voilà, c'est des choses que vous devez... qui doit faire partie de votre culture générale en mathématiques. Donc si x, enfin si alpha est inférieur à 1, ln de alpha est négatif, c'est toujours positif, donc f' de x est toujours négatif. Donc dans un cas, ma fonction, elle est croissante. Si alpha est plus petit que 1, ma fonction est décroissante. Ma fonction est décroissante. En termes de courbure, f seconde de x
est toujours positif, quelle que soit la valeur de alpha. Ça, c'est, et de x. Ça, c'est un nombre qui est positif. Ln de alpha, qu'il soit négatif ou positif, au carré, est toujours positif. Donc ma courbure est toujours positive. Donc f seconde de x est toujours positif. Donc ma fonction, elle est courbée toujours positivement. Donc courbure positive, ça veut dire quelque chose comme ça. Quelle que soit la valeur de x, la courbure est positive. Donc voilà pour l'étude de cette fonction. L'étude de cette fonction exponentielle de u de x. Ça marche en notant ln d'exponentielle de alpha x, oui. On peut faire la même chose. On peut calculer le ln de donc f de x, c'est ln d'exponentielle de alpha est-ce que ça ln exponentielle à fois x je sais pas. Je pense oui. Ou peut-être pas. Je sais pas. Non, dans ce sens-là, peut-être pas. Je sais pas. Faut que je fasse le. J'ai pas réfléchi à la question. En général, je fais comme ça. Et parce qu'on la voit tout de suite arriver, mais ouais, je vais réfléchir, je vais pas faire le calcul tout de suite. Du moins, comme ça vient pas tout de suite, je fais pas le calcul tout de suite. Alors, tac, où est-ce que c'est exponentielle base alpha? Ne pas sauvegarder. Donc voilà la fonction alpha puissance x, hein, elle est notée ici. Alors là, j'ai pris alpha est égal à 2,7. Pourquoi j'ai pris cette valeur 2,7? Parce que c'est la valeur de E à peu près. Hein. E c'est 2,71 et quelques. Donc là, on reconnaît bien la fonction exponentielle. Donc quand alpha est égal à E, f de x c'est E de x. Donc on a bien cette fonction exponentielle. Donc quand je change alpha, ce qui se passe, c'est si j'augmente la valeur de alpha, ben ce que je suis en train de faire, c'est changer la pente de cette courbe. Donc c'est exactement la même chose qu'on discutait sur le Covid et le temps caractéristique de croissance. En fait, quand je change ça, c'est ce que je suis en train de faire. Le temps, ce truc-là, c'est ln de alpha, en fait, que je change ici. Et ce qui est intéressant, c'est quand je m'approche de alpha est égal à 1. Donc si alpha est égal à 1, donc là, la croissance est de plus en plus lente, normal, puisque ma croissance, elle est en 1 sur ln de alpha. Et quand alpha est égal à 1, c'est pas défini. Enfin, ça vaut 1, quoi. Ça vaut tout le temps 1. 1 puissance x, vous prenez 1 et vous multipliez par x fois, ça vaut toujours 1. Et quand c'est inférieur à 1, ben voilà ce qui se passe. C'est que la fonction, cette fois-ci, elle devient toujours décroissante. Et quand vous augmentez la valeur de. Enfin, quand vous diminuez la valeur de alpha, la décroissance se fait de plus en plus vite. Normal, puisque ici, alpha est négatif. Enfin, alpha est inférieur à 1. Donc, le ln de alpha est négatif. Donc, ln de alpha est négatif, c'est-à-dire que vous avez une exponentielle qui est négative. Donc, une exponentielle décroissante. Et donc, voilà comment on peut passer d'une fonction décroissante à une fonction croissante. Et si je reviens au phénomène de Covid,
C'est lié à ce R0 là, enfin, on nous parle beaucoup. Si R0 est plus grand que 1, on est comme ça. Donc si c'est 1.1, on est comme ça. 1.3, 1.4, 1.5. Donc plus R0 est grand et plus le nombre de cas augmente. Si maintenant R passe en dessous de 1, et ben les cas diminuent. Et plus R0 diminue, et plus la décroissance est rapide. Donc voilà, les maths appliquées à la vie. Donc, croissance exponentielle, avec une constante de temps qui vaut 1 sur ln de alpha. Et décroissance exponentielle, avec une constante de temps qui vaut 1 sur ln de alpha. Voilà comment on passe de l'un à l'autre. Et c'est nos politiciens, ils jouent là-dessus, en fait, sur ce taux-là, pour passer de ça à ça. Et c'est très subtil, hein. Vous voyez que de 1.1 à 0.9, on n'a pas du tout la même croissance, quoi. Le même phénomène. Hop, chaque fois je me trompe. Vous voyez, j'espère que j'ai pas fait de bêtises, mais vous voyez GeoGebra quand je vous ai montré les trucs ou pas? Parce que je sais pas si je l'avais enclenché ou pas. Ou alors j'étais en train d'expliquer ça tout seul devant mon écran. Oui, c'est ok, cool, merci. Très bien. On passe à l'exercice sur la chaînette. Alors là, je vais vous laisser beaucoup travailler parce que je pense que c'est un bon exercice d'entraînement, donc d'études de fonctions. Et je vous ai préparé quelques quiz. Donc au fur et à mesure, vous allez répondre vous allez répondre à l'exercice et répondre aux questions. Comme ça, je vais voir comment vous avancez dans cet exercice. Alors pour vous présenter un petit peu l'exercice. Donc on dit, on considère une chaîne pendue par ses extrémités. L'altitude y d'un point de la chaînette en fonction de la position horizontale x est donnée par cette fonction-là, exprimée yx en fonction des fonctions exponentielles. Alors, toujours, avant de commencer, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vous représenter ce que c'est que ce truc. J'ai donné ce conseil-là à mes étudiants de L3 de physique ce matin. Donc, je commence à radoter, mais je pense que c'est des bons conseils. Donc, on a une chaînette accrochée à ses extrémités. Donc, un truc qui va ressembler à ça. Donc, on prend un fil. Et on le dessine. Ouais, prenez un fil, j'ai pas un fil sur moi. Accroché à ces extrémités, je relâche un peu. Voilà ce que ça donne. Donc là, ce qu'on essaye, c'est de représenter cette chaînette par une fonction mathématique. Et on nous dit que cette fonction mathématique, elle s'écrit sous la forme y de x est égal à y0 ch. Donc c'est ce qu'on appelle un cosinus hyperbolique. Je vais vous le définir tout à l'heure. X moins x0, y0 plus y1. Voilà. Donc on a ce truc-là, a priori. La hauteur de ça est donnée par une fonction y en fonction de x qui me donne la hauteur sur cette chaînette. Donc avant même d'étudier cette fonction, je peux me dire que cette fonction-là, elle doit être courbée tout le temps comme ça.
pas de raison, hein. C'est la gravitation quand je tiens mon fil. La courbure, elle est toujours positive. A priori, je dois avoir un minimum. Donc la dérivée première, elle doit s'annuler en un point, hein, à moi de déterminer quel est ce point-là. Et elle doit avoir des limites plus l'infini et plus l'infini quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini. Vous voyez, avant même d'avoir étudié cette fonction compliquée, en réfléchissant au problème physique, j'ai déjà une bonne idée des variations. Je peux même tracer les variations. C'est négatif et positif. La dérivée première s'annule en ce point. La dérivée seconde est positive. La limite de y de x quand x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. La limite de y de x quand x tend vers moins l'infini vaut plus l'infini, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose à faire, essayer de vous représenter la fonction pour en sortir un petit peu les propriétés avant même de l'étudier. Alors, peut-être que ça, vous ne connaissez pas. La fonction, c'est h de x. Donc, ch, c'est ce qu'on appelle un cosinus hyperbolique. Et ça a cette forme. C'est un truc qui ressemble à ça. Alors, un cosinus hyperbolique, ça s'écrit en fonction de l'exponentielle, comme ça. C'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, le tout divisé par 2. Ça, c'est la définition du cosinus hyperbolique d'une fonction. Me permet de définir, puisqu'on en aura besoin tout à l'heure, le sinus hyperbolique de x. Le sinus hyperbolique de x est défini à partir des fonctions exponentielles comme exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Donc la différence entre les deux, c'est que ici j'ai un plus et ici j'ai un moins. Voilà les deux définitions. Est-ce que ça à connaître par cœur? Ouais, peut-être. Je pense que c'est important de l'avoir vu une fois dans sa vie. En physique, ça a quelques intérêts, hein, de la fonction cosinus hyperbolique. On va la retrouver si on veut calculer la trajectoire d'un objet qu'on va. Une sonde, par exemple, une sonde spatiale, hein, qu'on va envoyer dans l'espace. Alors pas un satellite, parce qu'un satellite, il va tourner autour de la Terre, mais une sonde qu'on va envoyer très très loin. On va pouvoir la définir par un cosinus hyperbolique. Si on veut décrire l'aimantation dans un matériau, on va avoir besoin de cette fonction cosinus hyperbolique. Si on veut décrire la dynamique d'une chaîne, comme ça, par exemple, une chaîne dans un champ gravitationnel, va avoir cette forme-là. Donc, si on veut décrire cette forme, on va avoir besoin du cosinus hyperbolique. Et peut-être que vous avez entendu parler de la théorie des cordes en physique fondamentale, qui consiste à décrire les interactions à l'échelle fondamentale par des petites cordes dans des espaces à 27 dimensions, je ne sais plus trop quoi, on va utiliser ce type de fonction aussi. Voilà, même si la théorie des cordes ne fonctionne pas, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, donc vous allez pouvoir la retrouver quelques fois dans vos études. Je pense par exemple, oui, en mécanique, si vous construisez un pont et que vous mettez des chaînes comme ça pour tenir le pont, c'est le type de fonction que vous allez obtenir. La semaine prochaine, on va parler des nombres complexes. On va voir aussi comment on peut définir le cosinus x et le sinus x à partir de nombres de fonctions exponentielles. Donc on va voir aussi qu'on ne va pas être très très loin de ces définitions. Donc, je pense que ce n'est pas inintéressant de savoir. Donc la question, première question, c'est comment exprimer cette fonction ici, hein, qui représente ma chaînette, à partir de mes fonctions exponentielles. Donc, je vais vous laisser réfléchir, je vais vous mettre la fonction.
enfin la question. Voilà. Oula. Elle est tellement compliquée que on la voit même pas. Donc la première question, hein, c'est la première question du TD, c'est sachant que le cosinus hyperbolique de x est défini comme 1 demi de exponentielle de x plus exponentielle de moins x, que j'ai noté ici, exprimer y de x est égal à y0 cosinus hyperbolique de x moins x0 sur y0 plus y1 à l'aide de la fonction exponentielle. Je vais essayer de déplacer un tout petit peu ça. Voilà. Comme ça, on verrait mieux. Donc je vous laisse réfléchir. Donc je ne vais pas m'embêter à déplacer le cadre parce que la première des réponses n'est pas correcte, déjà de toute manière. Donc, Donc JR 2012 pour la courbure de SH et de CH, on verra tout à l'heure, je vais vous les représenter graphiquement. Et on va voir quelle est la dérivée de CH et la dérivée de SH plus tard.
Bon, je pense qu'on peut regarder la réponse. Donc effectivement, la réponse correcte est la réponse D. Alors comment répondre à ça? On prend la définition de CHX et on remplace X par X moins X0 sur Y0 dans la définition. Donc CH de X moins X0 sur Y0, ça me donne 1 demi de exponentielle de X moins X0 sur Y0. Donc là, je vois que les quatre premières expressions ont ce terme-là. Et plus exponentielle de moins ce truc-là, donc x moins x0 sur y0. Donc là, il y en a certaines qui. La deuxième, par exemple, qui est l'inverse. Donc ça peut marcher. La première, la deuxième, la première, la troisième et la quatrième ont bien le bon signe dans l'exponentielle. Après, ils ont d'autres problèmes. Faut pas oublier qu'il faut diviser par deux cette expression-là. Donc la C n'est pas valable. Et la A n'est pas valable puisque on multiplie Y1 par un truc bien débile. Donc ça marche pas. Donc la seule réponse correcte est la réponse D. Très bien. Donc on passe à la question suivante. Donc pour nous aider à étudier, oula, pour nous aider à étudier cette fonction, on sait qu'il va falloir qu'on dérive exponentielle de x moins x0 sur y0. Donc la question suivante, c'est quelle est la dérivée de exponentielle de x moins x0 sur y0? Alors, d'accord. Donc je vous laisse calculer sa dérivée. Pendant ce temps-là, je vais reprendre l'explication. Donc on a la fonction y de x qui est égale à y0 cosinus hyperbolique de x moins x0 sur y0 plus y1. Et je sais que cosinus hyperbolique de x est défini comme exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Donc là, ce que je dois faire, c'est prendre ce terme-là et l'injecter là-dedans. Donc c'est un peu comme une fonction, enfin c'est pas un peu, c'est une fonction composée, hein. C'est la fonction composée de cosinus hyperbolique et de la fonction x moins x0 sur y0. Donc là, je prends mon cosinus hyperbolique. Et je remplace x par x moins x0 sur y0. X moins x0 sur y0. Je laisse ici. Et ici, le x qui est là, pardon, par x moins x0 sur y0. X moins x0 sur y0. Plus y1. Et ensuite, je développe. Ça me donne y0 sur 2 exponentielle de x moins x0 sur y0, plus y0 sur 2 exponentielle de moins x moins x0 sur y0, plus y1. C'est bon? Super. Donc, on a envie d'étudier cette fonction. Donc, on sait que quand on étudie une fonction, il faut qu'on la dérive, parce qu'on a vu que on veut savoir quand est-ce que cette dérivée s'annule, on veut savoir le signe de cette dérivée. Donc, on veut dériver cette fonction, et ce qu'on voit tout de suite, c'est que le premier problème qu'on a quand on dérive, bah, c'est qu'il faut qu'on dérive cette fonction-là, exponentielle de x moins x0 sur y0. D'où ma question. Quelle est la dérivée de exponentielle de x moins x0 sur y0? Et puis pour ceux qui ont trouvé, posez-vous la question de quelle est la dérivée de exponentielle de moins x moins x0 sur y0. Et notez-la déjà, puisque vous allez en avoir besoin.
Donc, je ne sais plus comment s'appelait l'invité de la semaine dernière, mais a raison, c'est dès que vous voyez une fonction, vous la dérivez. Ça servira toujours, de toute manière. Posez pas de questions. Donc, on dérive celle-ci, on dérive celle-ci. Alors, pour, je ne sais pas qui a raison entre le 4 et le 3, là, rappelez-vous, hein, c'est une fonction composée. Donc, la dérivée de exponentielle de u de x, hein, c'est ce qu'on vient de voir juste tout à l'heure, c'est u prime de x exponentielle de u de x. U de x, hein, c'est ici x moins x0 sur y0. Ah oui, alors ça, j'ai vu dans quelques copies, pourtant, j'avais bien dit, hein, c'est pas parce que vous voyez un quotient ici qu'il faut tout de suite penser à u prime v moins uv prime sur v carré. Non. C'est là, typiquement, c'est cette fonction-là, si je la développe, c'est x sur y0 moins x0 sur y0. Ça, c'est une constante. Donc, quand vous la dérivez, elle s'annule. Donc, vraiment, arrêtez d'avoir ce mauvais réflexe de « Ah, j'ai un quotient, donc je fais u prime v moins uv prime sur v carré. » J'ai vu des personnes appliquer cette formule-là sur un truc. Enfin, je sais plus le. Ouais, genre, je vais exagérer, mais presque là-dessus, quoi. X sur 2, la dérivée de x sur 2, ouais, cool, je fais u prime v moins uv prime sur v carré. Non, quoi. Enfin, oui, vous avez le droit de le faire, mais que de temps de perdu et que. Qu'est-ce que c'est compliqué pour rien, quoi. U prime. Enfin, U sur V, vous l'utilisez si vous avez une fonction U de X sur une autre fonction V de X. Par exemple, X plus 1 sur 3X au carré plus 2, par exemple. Là, oui. Là, vous pouvez utiliser U prime V sur U prime V moins UV prime sur V carré. Vous avez le droit d'utiliser ça. Même si, pour moi, j'utilise toujours les fonctions composées. Mais ça, c'est ma manière de faire. Mais là, oui. Là, d'accord. Là, non. Pas d'accord. Donc, si vous voyez, par exemple, X sur y0, non, on ne fait pas u prime v moins uv prime. Y0, c'est un nombre. C'est 1, 2, 3, 7, moins 5, ce que vous voulez, mais c'est un nombre. Donc c'est pas une fonction. Donc comme c'est pas une fonction, on ne fait pas ça. Alors, je suis sûr que vous pouvez réussir. Je voudrais avoir que des bonnes réponses à cette question-là. Posez-vous la question, que vaut u prime de x? Que vaut la dérivée de ce truc-là? Par rapport à x, hein, ça c'est des constantes. Non. Vous restez sur votre choix? Ok. Ah, quelqu'un qui a changé. Ok, bon, on va regarder la réponse. Voilà. Donc la réponse, effectivement, c'est C. Pour ceux qui ont répondu D, ce que vous devez calculer, c'est la dérivée de x moins x0 sur y0. Donc la dérivée de ça, c'est la dérivée de ça. C'est la dérivée de ça. Moins la dérivée de ça. La dérivée de x sur y0, y0 est une constante, donc la dérivée de x, c'est 1. Donc ça, c'est 1 sur y0.
Et la dérivée de x0 sur y0, bah, ça, ce sont des constantes. Donc la dérivée d'une constante, c'est nul. Donc la dérivée de u de x, c'est 1 sur y0. Ensuite, j'utilise la formule générale qui me dit que la dérivée d'exponentielle de u de x, c'est u' de x qui vaut 1 sur y0, que multiplie exponentielle de u de x. U de x, c'est x moins x0 sur y0. Donc la réponse correcte est la réponse C. Question suivante. Quelle est la dérivée première et seconde de y de x? Donc vous avez la fonction, cette fonction-là, hein, que vous dérivez. Et ce que vous allez voir, c'est que vous allez pouvoir exprimer cette dérivée comme soit un sinus hyperbolique, soit un cosinus hyperbolique, composé avec x moins x0 sur y0. Et donc la question, c'est que vaut la dérivée première? Et puis, tant qu'à faire, que vaut la dérivée seconde? Pareil, je vous laisse faire ce calcul. Okay. Donc là, prenez bien votre temps, hein. C'est le calcul le plus important de l'exercice, parce que c'est, comme je disais la dernière fois, hein, si vous vous trompez sur le calcul de la dérivée, ensuite ça risque d'être compliqué. On propose d'acheter des followers, hein, des primes et des viewers, hein, pour devenir famous. Qu'est-ce que je fais, à votre avis? Je clique ou pas? Vous feriez quoi à ma place? Non, travaillez en fait. Répondez pas à ma question. J'ai deux réponses différentes.
Alors. Et ce type d'exercice qu'on fait, ça peut vous paraître un peu rébarbatif parce que là, on est toujours en train de faire la même chose. On prend une fonction, on calcule ses limites, on calcule ses dérivées. D'ailleurs, on n'a pas fait le calcul de limite, j'ai pensé. On calcule ses dérivées, on calcule le tableau de variation, etc. Mais c'est quelque chose de tellement utile hein, quand on fait de la science hein, que c'est vraiment bien de s'entraîner. Je dis pas du tout ça pour me la péter, hein, loin de là. C'est pas du tout pour ça que je vais dire ça. Mais moi, j'avais pas vu l'examen avant d'arriver dans la salle. Hein, donc je me suis mis dans un petit coin de la salle. Hein, et j'ai mis à peu près 10 minutes, un quart d'heure à faire les deux exercices. Pourquoi j'arrive à faire ça si vite? C'est parce que je l'ai fait des milliers de fois. En tant qu'étudiant, en tant que prof, là, ça fait 10 ans que je redouble application des maths, à peu près, hein. Donc, à force de redoubler application des maths, bah, je finis par connaître ça un peu par cœur. Donc j'ai en plus de l'entraînement, le fait de l'enseigner depuis 10 ans, bah, voilà, ça m'entraîne à refaire toujours les mêmes exercices, toujours. Mais si j'arrive à faire ça si vite, c'est parce que je m'entraîne beaucoup. Donc même si l'examen est passé, même si vous avez eu une très très bonne note, il faut continuer à travailler ce genre de choses. Et pour ceux qui n'ont pas encore acquis ces choses-là, il faut continuer à travailler. Ça va finir par payer le travail. Donc il faut vraiment s'entraîner, 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 s'entraîner. Alors non, ça on ne sait pas en fait, Alexane. On ne sait pas que. Alors. Si vous avez des connaissances en mathématiques, oui, vous savez que la dérivée du cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. Est-ce qu'on est obligé de passer par le calcul de la dérivée comme dans la correction? Juste dire. Alors, oui et non. Si on vous dit de passer par l'exponentielle, c'est justement pour vous faire découvrir le fait que la dérivée de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Et que la dérivée de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique. Moi, perso, je sais pas. Enfin, je savais pas. Mais enfin, maintenant, à force de faire cet exercice, j'ai fini par apprendre que la dérivée de CH, c'était SH, et que la dérivée de SH, c'est CH. Avant d'être prof et de faire cet exercice, j'avais complètement oublié ça. Parce que, comme je vous dis, c'est pas une fonction qui revient non plus extrêmement souvent en science. Cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, ça apparaît, mais c'est pas non plus la fonction exponentielle, c'est pas la fonction cosinus qui apparaissent tout le temps. C'est un truc qui apparaît de temps en temps. Donc oui, si vous connaissez la dérivée de la fonction cosinus hyperbolique et la dérivée de la fonction sinus hyperbolique, bien sûr vous pouvez utiliser cet argument. Il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Maintenant, pour ceux comme moi qui n'ont pas cette connaissance mathématique, si on me donne la définition du cosinus hyperbolique et que on me dit ensuite dériver ça, bah je suis capable de dériver ça, quoi. Et c'est donc je dirais que pour exercice, Alexandre, même si vous connaissez ces dérivés-là, je pense que juste pour vous exercer sur ce travail-là, je pense que ça vaut le coup de le remontrer. Que quand vous dérivez ce truc-là, qui est un cosinus hyperbolique à la base, ça vous donne bien la formule du sinus hyperbolique ensuite. Oui, bah ouais, mais bon.
C'est pas moi qui ai spoilé. Hein. Alors, on va regarder les réponses. Hein. Hop. Donc, effectivement, hein, pour la grande majorité d'entre vous, vous trouvez que c'est le sinus hyperbolique. Je vais juste le faire rapidement. Y prime de x. Donc, on a vu que la dérivée de ça, c'est 1 sur y0, ce qui me donne 1 demi de exponentielle de x moins x0, y0. La dérivée de ça, bah, c'est moins 1 sur y0. Donc, c'est moins y0 sur 2y0. Donc, ce terme-là s'annule. Ce qui me donne exponentielle de moins x0, y0 plus y1. Ce qui nous donne 1 demi de exponentielle de x moins x0 sur y0 moins exponentielle de moins x moins x0 sur y0 plus y0. Et ça, c'est la définition du sinus hyperbolique de x moins x0 sur y0. Donc ce qu'on voit, hein, c'est que la dérivée du cosinus hyperbolique de x moins x0 sur y0, c'est 1 sur y0, le sinus hyperbolique de x moins x0 sur y0. Donc si j'utilise les fonctions composées, en gros, ça veut dire que la dérivée de cosinus x hyperbolique, c'est sinus x. Et vous pouvez montrer de la même manière que la dérivée de sinus hyperbolique de x, c'est cosinus hyperbolique de x. Donc contrairement aux fonctions cosinus et sinus normal, hein, les cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques, eux, n'ont pas de moins en fait quand on les dérive. Peu plus de lumière. C'est vraiment très sombre. Très bien. Bon, question suivante. Next. Alors ça, je vais terminer là-dessus. C'est une question intéressante parce que il y a énormément de gens pendant l'examen, qui se sont plantés sur la méthode. Donc dans l'examen, voilà. Donc ça c'est mon brouillon. Hein. Donc si c'est dégueulasse, est-ce qu'on arrive à lire? On n'arrive pas à lire. Bref, démontrer, je vais vous le dire, démontrer que la fonction e-θ a un extrémum en zéro. Et j'ai eu des tas de gens à me chercher où est l'extrémum. Alors qu'on me dit dans le texte où il est. Démontrer que la fonction e de θ a un extrémum en 0. Donc ce que je dois calculer, c'est e' de 0. Effectivement, quand on dit extrémum, on dit j'ai un extrémum, alors je dois résoudre l'équation e' de x est égal à 0. Mais si on me dit où il est, je ne vais pas chercher où il est. Puisque je sais où il est, on me dit, vérifiez qu'il est là. Donc ce que je dois calculer, c'est pas quel est le x tel que e' de x est égal à 0. Ce que je dois calculer, c'est est-ce que e' de cet endroit-là est bien égal à 0? C'est ça que je dois vérifier. Donc est-ce que e' de 0
est égal à 0. Et je dirais que la moitié des gens, donc là, je pense que vous répondez tous bien à la réponse, voilà, vous êtes 12 à répondre à la bonne réponse, mais dans l'examen, vous êtes la moitié d'entre eux à avoir répondu à côté. Quand on vous dit de vérifier que x0 est un extrémum de y de x, je vais révéler la réponse. Effectivement, ce que je vérifie, c'est est-ce que, en ce point-là, ma dérivée première est nulle? Est-ce que f' de x0 est égal à 0? Donc la prochaine fois que vous voyez ce genre de question, ne vous embêtez pas, ne vous compliquez pas la vie. On vous donne la réponse. Démontrer que la fonction e de θ a un extrémum en 0. Bah, ce que je calcule, c'est e' de 0. C'est ça que je calcule. Et si e' de 0 est égal à 0, alors je suis content. Comme ici. E' de θ, c'est quand je remplace θ par 0 dans l'expression que j'ai calculée là. Hop. Et bien j'obtiens bien 0. Et donc je suis bien content avec ça. Faites gaffe, hein. Lisez bien les questions. Prenez bien le temps de lire parce que des fois les réponses sont dans les questions. Quand on vous dit de vérifier que, ça ne veut pas dire chercher le. Ça veut dire vérifier que c'est le cas. On se voit demain. Bonne fin de journée. À demain.